commencer, j'ai un petit cadeau pour vous. J'ai des petits maillots d'entraînement qui sont très 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 cool. Donc là tu peux mettre. Ouais, vous les gardez ça, cadeau par dessus ton sweat. On les met à l'école vendredi. Vendredi on les met à l'école. Si on prend un ballon dans la. Non, vendredi vous allez à l'école en gang, tout le monde arrive. Non mais c'est ça le. Tu peux mettre par dessus ton. Non mais tu dois le laver. Qui a déjà fait du foot? On lève la main, c'est qui a déjà fait du foot? En club. En club, non. Non, pas en club, mais jouer comme ça avec des amis. Mais j'ai déjà joué quand même, mais à l'école. Vous jouez à l'école, c'est ça? Ouais. Voilà. Du coup, c'est une journée en collaboration avec Adidas Football Collective et c'est des choses qu'on va mettre en place plus régulièrement. Donc là, c'était la première qu'on mettait avec Raïm, Raphaël et Vince. Et du coup, on va essayer de mettre ça plus régulièrement en place. C'est intéressant parce qu'on est dans la continuité de tout ce qui est mis en place là, ces dernières années pour le football féminin et la découverte et l'initiation. Donc c'est cool. Moi, ça me plaît vraiment. Donc j'espère qu'on pourra le développer encore plus dans les prochains mois. Alors, le foot, ça a bouffé ou pas la fois? Ouais, c'est trop bien. Ça va. Vous voyez faire du foot après ou pas? Ouais. Vous avez envie? Ouais. L'année prochaine? Ouais. Ok, est-ce que vous faites quoi là comme sport actuellement? Moi, l'équitation, capoeira, danse moderne, jazz, hip-hop. Tu vas à l'école des fois, toi? Ou... Vous connaissez des joueurs un peu de foot ou pas? Mbappé, Neymar. C'est qui votre équipe préférée? PSG. C'est pas Paris, c'est PSG. Paris Saint-Germain. Vous supportez quel club? Paris. Marseille. Oh allez. Cite-moi un joueur de Marseille alors. Payet. Dimitri Payet. Vous connaissez des joueuses de foot? Oui, Amandine Henry. Ouais. Ma cousine. Vous connaissez pas Eugénie Le Sommer? Non. C'est l'attaquante de l'équipe de France. Vincent, il la connaît très bien. Ouais. Il l'a déjà vu? Ouais, bah il est déjà allé chez elle et tout. Oh, Vincent! Dommage. Tu tires de quel côté? Gauche. Gauche. C'est nul! Comme toi! Pardon, moi, je lance un ballon un peu loin. Ouais. Dommage. Mais tu l'as jamais cadré! Donc là, si tu marques, qu'est-ce qui se passe? Si je marque, on fait un match. Okay. Si je perds, on fait que le tour du terrain. On fait que courir, ok, vas-y. C'est bon, regarde. Allez, pas jouer avec ça les matchs. Par contre, ce qu'il a dit Abdé, c'est que quand vous venez au match, il faut absolument être en ensemble. Il faut que tout le monde soit la même tenue. C'est comme ça que ça se passe dans les clubs de foot, ok? Non, mais pas choisir. Il a dit non, c'est nous, Adidas. Merci, Adidas. Waouh, c'est le maillot de match. Mais il y a des tas différents. Ça, c'est le maillot extérieur. Oui, c'est extérieur et domicile. C'est ça
ça qu'ils sont comme ça, qu'ils sont petits. Oui, sont les voilà. Bonjour, bienvenue dans ce petit cours de pliage. Alors là, on essaye de faire genre, on gère le merch, tu vois, mais on gère rien du tout. Alors du coup, on fait ça, là, parce qu'il y a le designer qui est derrière votre caméra, il a mis beaucoup de temps avant de trouver cette idée de génie. Alors je lui plie pour qu'à l'image, ça rende génial. Ça, c'est incroyable. Ok, c'est une idée de ouf. Je sais pas qui a eu cette idée. Ok les gars, du coup j'ai encore un peu d'équipement à vous donner, venez avec moi, je vous montre ça. Donc là on a donné un peu de tout pour faire du foot, vous avez les maillots, vous avez pas et tout. Vous avez les survêtements, vous avez les maillots d'entraînement, maintenant c'est des choses que vous pouvez porter un peu plus dans la vie de tous les jours entre guillemets. Ah ouais, les pulls. C'est des pulls et des sweats. Oh, des pulls et des t-shirts. Voilà. Est-ce que c'est le même taille pour tout le monde? Là pour l'instant c'est du 9-11 ans, vous essayez de jouer, si ça va pas, on voit. Ça a été fait par un designer international, Raphaël. Allez Tidjane. Allez ça. Merci Annie. Allez. Voilà. Annie va plus vite. Ça va plus vite. Allez Tidjane. Là vous avez trouvé match de championnat ce week-end. Ouais. Tu te sens prêt? Oui. Tu te sens prêt toi Demba? Bien sûr, mais je me sens prêt. Entre vous deux là. Ouais. Celui qui marque, ouais. Il a gagné un truc, ok? Vas-y, il gagne quoi? Un Pokémon Malteser. Ok, vas-y. T'avais mis un but encore. T'inquiète, elle va arriver. Déjà, ça fait plaisir de voir le premier match. Enfin, ça va faire très plaisir d'être stylé avec cette tenue. Sur votre maillot, il y a trois choses. Il y a Adidas, qui va être notre équipementier. Il y a le logo du Minsk IFC, qui est du coup votre club. Et vous avez vu sur le sternum c'est ici. Vous avez un logo qui s'appelle Adidas Football Collective. C'est en gros Adidas qui lance ça pour essayer de changer des choses de manière positive. En gros, aider les gens dans la vie de tous les jours grâce au football, ok? Donc par exemple, nous avec l'Académie, on va vous améliorer au football, à l'école avec les deux devoirs, et les sorties, vous allez pouvoir vivre des choses qui peut-être vous n'aurez plus jamais vivre. On aura des surprises pour vous. Et donc déjà, est-ce que vous, ça vous fait plaisir de faire partie de l'équipe? Oui. Ouais. Ok, alors du coup, pour vous remercier aussi d'avoir rejoint le club, j'ai un cadeau pour vous. Vous allez tous avoir une paire de crampons aujourd'hui. Ah, j'ai dit ça, c'est Moussa. C'est combien? T'occupe pas. Arrête de me prendre mystérieux ici. Dépêche-toi.
Merci Adidas. Mais essaye de Merci Adidas. Les gars, pensez vous que c'est lesquels les poubelles, les rouges, les blanches. Les blanches. Peut-être j'ai les rouges, mais les blanches sont meilleures. Non, les blanches sont belles. Toi, tu les as, toi. Les blanches, elles sont salissantes. C'est pas grave, moi. Tu sais pourquoi j'ai une brosse spéciale chez moi pour bien frotter les crampons. Avant que le match commence, on voulait apporter une précision très importante. Durant ce match, vous ne verrez pas tous les buts qui ont été marqués. En effet, parfois, il y a des erreurs qui sont faites par des joueurs. Ils sont jeunes et nous n'avons pas envie de montrer des erreurs de leur part car ça pourrait les mettre en porte-à-faux. On est là pour montrer de l'amusement et le fait que tous les joueurs progressent. Donc si un joueur de la Vinsky FC Academy ou même un adversaire réalise une erreur qui peut parfois provoquer un but, nous ne le montrerons pas. D'avance, merci beaucoup pour votre compréhension. C'est quoi tes consignes? Parce que la dernière fois, on t'a pas... Moussa, il t'a dérangé. Bah, de marquer et de gagner. D'accord. On reste à quand même une composition. Younes Jawed, Yanis Younes sur les côtés. Issa Moussa, Mathias, tu passes devant. Sur le côté, j'ai Samaël, Yanis, Issam et Abdel. C'est bon? Comment tu le sens ce match? J'ai pas envie d'être présomptueux, mais je pense qu'on est assez prêts. Hein. Ceux qui sont sur l'équipe qui part là, j'ai confiance en eux. J'ai aussi confiance en ceux qui sont sur le côté. On est là pour gagner notre premier match, en plus on est à domicile. Les gars, directement! On vient avec lui. Allez, c'est un mouton à l'arrêt, Moussa. Ça, c'est dangereux. Abdel, envoie, réfléchis pas. Demba, tu l'as, Demba. Prends ton temps. Moussa, on s'arrête pas. Joue, Yanis, t'arrêtes de parler. On fait beaucoup de fautes.
Enfin, moi, j'en fous beaucoup. Ça sert à quelque chose? Non. Ça nous met en danger. Et on redescend pas assez. Abdelmalik, super. Issa, super. Mathias, pareil. Vous avez assuré la ligne derrière. T'as fait des belles relances, propres, sécurisées, vous avez trouvé. Issa qui a fait un jeu de rattrapage. Il a ramassé tout. Il a tout ramassé, Issa. Tout ramassé. Hein. Le problème, c'est qu'il fait ça tout seul. Viens, Jawad, réveille-toi. Vite. Prends la ligne. Allez. Allez, encore! Coming in, flex. I just wanna win. LA BB, who we running with? 2-2-3-3, I'm on 10 again. State your name. Baby, dope on flame. I just switched the lanes. Damn, he did it again. I just flipped the pain. Stripping and dipping in bass. Slap on everything. Swimming, you sinking away. Cause I got big racks coming. I put my low racks on it. I ain't skip past losses. I had to get back off them. See the fit lab on it until they whip my coffin. Money clip, I tossed it. I heard it's big bags on big bags on big bags coming. I'm coming in. Yeah, flex. I just wanna win. Yeah, LA BB, who we running with? Yeah, 2-2-3-3, I'm on 10 again. Pump up the action. Encore. Bitch, I'm active. If he never encore. Heard of Ben, dope, he just napping. Jackson, off the rapping. Keep it on my body, bitch, I'm broke if you ask it. Don't gotta sell him, most of y'all is flawless. Broke your wrist as long as it is foreign. Heard you want it cause the game's enormous. What's an ass since she isn't gorgeous? Live my life last name of Morgan Freeman. Trying to touch a forest, do not know we're knocking on the door. Came in, did it like the Porsches. Coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with? Yeah, 2-2-3-3, I'm on 10 again. Okay, alright. Coming in, yeah. Flex, I just wanna win. Yeah, LA BB, who we running with? Yeah, 2-2-3-3, I'm on 10, yeah. Sortez ça, les rouges! Allez, une heure! Y aller, les rouges! Moussa, vers l'avant! Cherche pas à comprendre! Vers l'avant, cherche pas à comprendre. C'est ça, Moussa, c'est ce que je te demande. Le petit du rouge, allez. Voilà, Thomas. Vers l'avant, Abdel. Abdel. Allez Yanis! Allez, Mathias, va! Mathias! Une fois, tu peux passer ça! Touche, Peggy, touche! Allez Moussa! Allez Moussa encore! Rifi! Un kit car. On va faire une photo d'équipe. Ah ouais, une photo des victoires.